Bonjour, je m'appelle Marie-Denise Pelletier et aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, parce que je dois vous dire que je m'ennuie beaucoup des Îles-de-la-Madeleine. En fait, c'est une belle histoire d'amour qui a commencé entre, entre vous et moi euh, depuis plus de 40 ans. Euh, et dans ces 40 dernières années, j'avoue que le plus grand cadeau que les madeleine m'ont fait, je dirais, c'est qui m'ont appris à vivre, à mieux vivre, de par leur résilience, de par leur joie de vivre, de par leur manière de, de de voir la vie avec un grand A, avec un majuscule tout le temps. Alors évidemment, à travers les amitiés, à travers la musique, j'ai fait de rencontres fabuleuses et j'avoue que. Moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est de pouvoir terminer mes jours aux Îles-de-la-Madeleine, mais pas tout de suite. J'ai envie de vivre encore bien longtemps. Mais là, tout ça pour vous dire qu'en ces temps difficiles, je voulais vous offrir une chanson qui a un grand lien avec les îles, puisque j'y avais fait à l'époque le clip, Et, euh, et puisqu'on parle de ponchons et de bouteilles à la mer, à la mer, alors voici tout simplement un petit bout de tous les grilles S.O.S. Comme fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers Esso ainsi SICRI avec de l'air. Pour te dire que je me sens seul, je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la Les sauts de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent, empièrent des toiles sur les rochers. En attendant d'aller vous la chanter chez vous, je vous embrasse, lâchez pas cette forme.